Je suis heureuse et émue de vous retrouver pour commémorer, comme chaque année, le souvenir de nos compatriotes tombés le 5 juillet 1962 à Oran, une date marquée du sceau du sang. Ce sont des commémorations qui nous tenaient à cœur. Nous sommes très proches de nos amis pieds-noirs. Nous sommes très proches de cette communauté qui s'est installée il y a 60 ans dans notre ville et qui a fait l'histoire de notre ville aussi. Voilà pourquoi nous commémorons avec encore plus de fierté ces 60 ans. Des souvenirs douloureux, vous savez, ça nous remue les tripes un petit peu, hein, parce que c'est un énorme gâchis, c'était notre pays, on a eu tous des morts dans notre famille, hein. Je me considère comme un déraciné finalement. Tout ça fait qu'il y a un travail de mémoire qu'on doit perpétuer, et c'est notre rôle avec notre association. Il y a 60 ans, presque jour pour jour, c'était en même temps l'indépendance de l'Algérie. Mais dans le même temps, cette joie s'est accompagnée d'un malheur terrible qui a été le départ des Français d'Algérie sur une terre où ils étaient nés dans des conditions dramatiques. Pas seulement le fait de partir du jour au lendemain, mais le fait de partir à cause de la terreur du FLN et de l'ALN qui ont obligé ces familles déjà installées en Algérie depuis plus d'un siècle à partir. Manifestants, le drapeau que l'on voit flotter n'a plus les mêmes reflets. Je viens d'un pays. Comme un paradis perdu.